Les toros! Je sais pas pourquoi j'avais envie de vous parler espagnol aujourd'hui. Je vais vous faire une petite guidance pour le mois d'avril qui s'en vient. Donc le mois d'avril 2020 pour les gens qui sont de signe astrologique taureau. C'est bon pour votre signe lunaire, votre signe en lune et si vous êtes ascendant taureau. Donc je vous invite à aller voir votre signe lunaire, le signe ascendant et votre signe de soleil, bien évidemment. On va regarder ce qui va se passer en avril 2020 pour nos amis les taureaux. Je vous rappelle aussi que je fais des tirages de cartes personnalisés sur ma boutique Etsy. Le lien est en barre de description. Et le lien vers les jeux de cartes que j'utilise aujourd'hui sont aussi en barre de description. Donc là, il y a 4 cartes qui sont sorties. Quelles sont-elles? Donc le voyage, l'amitié, l'ouverture et la santé. Donc comme les béliers aussi ont pigé la première carte. C'était le voyage, donc ça peut représenter un éloignement, ça peut représenter un voyage comme concrètement, là, le désir de partir, aller explorer le monde extérieur. Mais là c'est ça, étant donné que tout ce qui se passe avec le coronavirus et tout ça, le voyage c'est peut-être moins quelque chose que je vous conseille. Donc dans cette carte-là, je la vois plus comme une prise de recul concernant une situation. Ici, ça semble parler concernant une situation d'amitié, donc peut-être des amitiés, de vous éloigner de gens autour de vous, d'anciennes amitiés peut-être qui vous servent plus. Il y a la carte de l'ouverture aussi qui est sortie, donc de prendre cet éloignement-là concernant une amitié ou de voir les choses d'une autre façon. Ça peut vous apporter beaucoup de choses ici. Donc la carte de l'ouverture, c'est d'avoir comme une clé pour ouvrir la porte. Puis là, quand on ouvre ça, cette porte-là, ben c'est dans le fond, c'est la porte de ta destinée. C'est vraiment ça que cette carte-là veut dire. Donc concernant peut-être une amitié ici, ça peut être aussi par rapport au voyage. Donc le fait de vouloir justement voyager avec quelqu'un, de prendre des vacances avec un ami. Mais pour être honnête, je le vois vraiment plus, je ressens beaucoup plus le désir de prendre du recul concernant une amitié, puis le fait que vous allez peut-être vous détacher ou prendre un petit peu plus de recul de cette personne-là qui est peut-être nocive autour de vous, ça va vous permettre de peut-être justement aller vers des gens qui sont plus en accord avec vous, qui sont plus alignés avec votre façon de voir la vie maintenant, aujourd'hui en 2020. Donc ça se peut ça que vous ayez comme un petit ménage à faire niveau amitié. Puis c'est ça, de prendre cette espèce de d'auteur par rapport à la situation, ça va vous ouvrir la porte vers votre destinée. Donc ça c'est super bien, puis ça va avoir un impact positif sur votre santé. Donc peut-être que vous avez un ami autour de vous, un ou une amie qui, c'est ça, qui a un peu... c'est peut-être stressant être en sa compagnie. Peut-être que quand vous revenez chez vous après avoir vu cet ami-là, vous vous sentez genre épuisé, puis vous êtes juste comme « Ah, si j'avais hâte d'arriver chez moi! » Ou tu sais, même des fois on est avec des gens puis on le feel pas, tu sais, on est juste comme tu parles avec cette personne-là, puis là t'es juste comme « Hey, serais-tu bien chez moi devant ma TV avec mon chien, genre? » Fait que c'est ça, c'est peut-être de prendre du recul. Tu sais, peut-être que vous êtes trop avec cette personne-là. Peut-être que il y a quelque chose ici qui fait que votre santé, votre énergie est comme... Il y a quelque chose qui vous épuise par rapport à une amitié autour de vous. Ok, voyons voir les autres petites cartes ici pour les taureaux pour avril 2020. Qu'est-ce qui se passe ici, là, par rapport à l'amitié et puis tout ça, là? Qu'est-ce qui se passe? On veut des détails. Cette carte-là, qu'est-ce que c'est? La projection. Donc, ça, c'est de... peut-être que c'est justement
ce que la personne fait sur vous. Peut-être que c'est à cause de ça que ça a tendance à un peu perturber votre bien-être, votre santé. La projection, c'est... tu sais quand... Ok, je vais donner un exemple vraiment niaiseux, là, mais admettons que toi, tu changes jamais le rouleau de papier toilette, ok? T'es comme, oh, whatever. Mais tu sais, ça te gosse, mais tu le fais quand même parce que c'est juste avec toi, tu sais, pis t'es comme, t'es à l'aise de faire ça, même si ça te gosse, tu sais. T'es comme, ah, je vais changer une autre fois, peu importe. Mais là, quand quelqu'un le fait, comme par exemple ton chum, change pas le rouleau de papier toilette, ben là, tu l'attaques, là, pis t'es comme, tu changes jamais le rouleau de papier toilette, t'es la pire personne au monde, je t'haïs, nanana. Ça, tu vois, c'est de la projection que tu fais sur cette personne-là. Donc, c'est de reprocher à quelqu'un ce que nous, on n'aime pas quand on le fait, tu sais. Fait que c'est peut-être ça que ton ami fait avec toi. Peut-être que c'est ça, il y a une situation qui fait que ton ami est toujours là en train de te dire « Ah ben là, tu fais ça » ou genre « T'es pas comme ça » ou « Nanana » mais c'est juste parce que cette personne-là ne fait pas ces affaires-là. Fait que quand elle voit quelqu'un faire ça, ben là, elle, ça sonne une alarme genre ok, je peux reprocher à cette personne-là le fait de faire ça, parce que moi, quand quelqu'un fait ça, ben là, ça me rappelle que moi, ben aussi, je suis comme ça puis je le fais pas, genre, fait que ça me fait sentir mal, fait que, ben pour me faire sentir mieux, ben je vais projeter ma haine sur cette personne-là, fait que c'est un peu ça, la projection, là, pour faire comme une histoire courte. Peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ça pour votre santé, je le rappelle. Ok, ici, l'enfermement. Ok, puis une dernière. Il y a vraiment, c'est ça, il y a une situation où il va falloir que vous preniez du recul par rapport à ça. L'enfermement, c'est une situation de d'isolement. Je sens beaucoup que c'est un désir chez vous de juste vous ramasser chez vous. Pour votre santé, là, parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous gruge de l'énergie, mais beaucoup, là, j'ai l'impression. C'est quoi ça? Le rêve. C'est peut-être une personne qui vous dit, tu sais, là, le genre de personne qui vous dit « Ah, mais tu seras pas capable de faire ça, ah, mais tu seras pas capable de faire ça », ou genre « Mais là, pourquoi tu veux faire ça? Genre, tu y arriveras jamais. » Tu sais, quelqu'un qui vous décourage tout le temps comme ça parce que justement, cette personne-là s'est peut-être toujours fait dire qu'elle sera jamais capable de réaliser ses rêves, qu'elle sera jamais capable d'être cette personne-là. Tu sais, puis peut-être qu'elle voit que vous, un peu, vous voulez réussir, tu sais, dans cette direction-là. Fait que là, elle est pas fine puis elle fait cette espèce de projection sur vous, ce qui fait que vous avez juste envie d'aller vous enfermer, vous avez juste envie genre de vous retirer, là, de prendre du recul par rapport à cette situation-là, de vous sortir un peu de tout ça pour remettre en perspective vos rêves, vos buts dans la vie, vos objectifs. Désolée, mon chum me texte. Donc c'est dans le but de vraiment revoir qu'est-ce que vous voulez. Donc ce temps-là là, de prise de recul puis d'isolement, c'est bénéfique à vous pour vos rêves, c'est bon pour votre santé aussi. On se rappelle le coronavirus, hein? On est en quarantaine présentement, je sais pas au moment où cette vidéo-là va sortir si ça va toujours être le cas, mais c'est ça, prendre du recul, de s'enfermer, là, rester chez vous, genre faites vos petites affaires. Puis faites des trucs qui vous passionnent. Donc les rêves, c'est ça, c'est de vivre un peu dans votre monde parfait. Vous avez le droit, genre, d'avoir des grands rêves démesurés, d'avoir des grands buts, des grandes aspirations, puis tout ça. Puis les gens qui font juste essayer de vous décourager, ben on s'en éloigne. C'est un peu ça le feeling que j'ai ici. Je vais tirer une carte d'oracle. Donc pour les taureaux.
ground yourself. Donc c'est de s'ancrer, c'est de, je la vois vraiment un peu, profiter de, du fait que vous soyez un petit peu plus isolé pour vous grounder. Ça veut dire de revenir sur terre, comme de juste là, il y a des méditations guidées sur YouTube par rapport à l'ancrage, comment s'ancrer, tu sais, comment aller vraiment comme, tu sais là, puis ground yourself, c'est vraiment beaucoup l'image de l'arbre, ok, que j'ai quand on parle de s'ancrer à la terre là, fait que c'est de s'imaginer comme si c'était un arbre dans le fond, ok, c'est con à dire là, mais tu sais, un arbre là, je veux dire, il y a ses bases tellement fortes dans le sol avec ses racines que peu importe là, ce qui se passe autour de lui, là, tous les arbres là, ils survivent au vent tellement violent des fois, là, ça me fascine. Je suis genre shit, ok? Et les arbres survivent à ça, ils survivent à la météo de merde à l'extérieur. Ils survivent quand ils ont des petits oiseaux. T'sais, ils ont pas demandé là, à avoir des petits oiseaux qui viennent chier sur leurs branches, puis les bibites, puis tout ça, mais ils sont là, puis ils restent là, puis ils s'en foutent. Genre, quand il y a la neige, le froid. On dirait que l'arbre va mourir, mais non, il meurt pas, il revient toujours au printemps. À un moment donné, tu vois des bourgeons, t'es comme « what the fuck, t'es donc ben hot ». Genre, soyez un peu, soyez comme un arbre, c'est ça que ça veut dire, genre, peu importe ce qui arrive dans votre vie, ayez cette espèce de solidité-là pour pouvoir accueillir tout ce qui se passe. Donc, le fait là qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage, là, peut-être qui joue sur votre santé, là, puis c'est comme so-so en amitié, éloignez-vous-en pour justement apprendre à vous grounder, genre, puis apprendre à ce que la prochaine fois que cet ami-là va vous reprocher quelque chose ou vous dire quelque chose que vous aimez pas, ben, faites juste comme, pas partir en peur, genre, nia, 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 partez pas en chicane, genre, faites juste dire, au pire, genre, ceci ne me plaît pas, ou genre, tu sais, quand tu me dis des affaires de même, ben ça me donne juste envie de mettre un terme à notre amitié. Fait que si tu tiens à moi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, comme changer ta façon de me parler? Je mérite pas ça. Écoute, blablabla, tu sais. Mais de pas partir en peur, genre, ou de pas, tu sais, alimenter le feu, genre, puis de pas pitcher de l'huile, genre, sur le feu, ça, je veux dire. Fait que de juste, yeah, cette personne-là vous dit ces affaires-là parce qu'elle fait de la projection sur vous, parce qu'elle-même, elle a un certain complexe par rapport à elle. Aussitôt que tu comprends ça, aussitôt que la prochaine fois que ça va arriver, tu vas juste avoir ça en tête, puis tu vas dire « Oh, dans le fond, elle fait juste pitié, tu sais, puis ben, est-ce que ça me tente d'être amie avec quelqu'un qui est comme ça? » Là, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir aussi, tu sais, de quoi ça parle ici, c'est propre à chacun. Mais c'est vraiment la clé là-dedans, c'est de se « grounder », tu sais, de vraiment faire comme... est juste vraiment l'image de l'arbre, un grand arbre majestueux, genre, pis t'sais, avec un gros tronc, genre, pis des grosses racines. Pense à ça quand une situation comme ça va arriver dans ta vie. C'est ça qui va t'aider au mois d'avril. Donc, je vais tirer trois dernières cartes pour le mois d'avril 2020 pour les taureaux. Et là, il y a celle-là qui veut sortir, la reine d'épée, d'accord? Le 5 de coupe et le chevalier d'épée. Ça représente quelqu'un de vraiment intelligent. Je pense que ça vous représente ici. Genre, vous êtes capable de voir clair dans cette situation-là ici. Puis justement, c'est quelqu'un qui se laisse pas... elle se laisse pas... genre, submergée par ses émotions. Fait que je la vois vraiment comme... genre, on dirait l'image parfaite pour moi de quelqu'un qui se ground, justement, qui s'ancre, c'est la reine d'épée. Genre, elle est là, elle est posée, assez, genre, elle est capable de pas se laisser influencer par ses émotions, par ses sentiments, tu sais, juste comme, ok. Genre, tu sais, c'est vraiment quelqu'un de posé, genre, de très, qui se gère vraiment très bien. Le 5 de coupe, ça peut parler, admettons, là, ici, là, que vous décidez de, je sais pas, mettre un terme à cette relation-là, peu importe ce qui va en sortir, là, quand vous allez prendre du recul de tout ça. Peu importe ce qui va en sortir, peut-être que des fois, vous allez avoir l'impression
qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est une carte qui parle un peu de découragement, tu sais, c'est une situation qui épuise, puis tu te sens un peu maladroite dans tout ça. Dans le fond, t'es tellement comme maladroite, t'avais 5 coupes remplies, je sais pas moi, remplies de chocolat chaud. Puis là, t'es comme full excité, genre... Puis là, bam, t'es échappé à terre. Puis là, t'es comme... Oh, fuck, là, je vais encore me faire reprocher que j'ai échappé le chocolat chaud. Je vais encore me faire dire que je suis une bonne à rien. Je vais encore me faire dire ça. Maudit. Ah! Puis là, tu focuses juste sur ce que tu viens de renverser. Mais tu le sais pas, mais il y en a deux pleines en arrière de toi que t'as pas renversé. Tu peux-tu, s'il te plaît, focuser là-dessus puis te dire que tout n'est pas perdu? Pis que non, t'es pas une horrible personne. Non, t'es pas... Faut que tu penses à toi un peu ici. À place de t'apitoyer sur ton sort, à place de juste être dans le malheur pis « Oh my god, j'ai renversé mes 3 coupes, qu'est-ce que je vais faire? » Ben non, c'est de voir la situation d'une façon plus positive justement, en faisant comme la reine d'épée. La reine d'épée là... Elle s'en fout d'avoir tout renversé. C'est 5 coupes, c'est 3 coupes, c'est une coupe. Elle s'en fout. Elle se laisse pas submerger par ces émotions-là. Les coupes ici, là, c'est comme... C'est l'émotion, là. C'est genre... Fuck, j'ai tout échappé, genre. Mais faut pas vous laisser emporter par ça. Faut vous grounder. C'est ça qu'il faut faire, ok? Faut juste faire comme la reine d'épée, puis gérer la situation, ok? Ça ici, c'est de... Oh! Ça ici, c'est de... Ah, on a de la misère à gérer la situation, mais gars, il y a un désir, là, ici, là, de vouloir... de juste prendre conscience, premièrement, qu'il y a une situation que t'as fail. OK. Nice. T'as fail une situation, il y a une situation d'échec ici, mais regarde le positif que tu peux en sortir. C'est ça que ça veut dire. Le chevalier d'épée, lui, tu sais, il est dans le mouvement, là. Il est comme... Let's go! On attaque! C'est une énergie de oh, ok, on va de l'avant. Là, t'as vu, t'as renversé tes 3 coupes, mais il en reste 2. Ok, on va de l'avant. On passe à autre chose. Là. Toi, puis 2. C'est ça, c'est 2 trucs d'épée. Donc, on va de l'avant. On est impartial. On est juste. Gars, c'est fait, c'est fait. C'est ce que j'avais à faire. Puis on move on, ok? On bouge. On va de l'avant. On passe à autre chose. Get over it. C'est vraiment ça, moi, que le chevalier d'épée me fait penser ici. Donc, il est capable d'accomplir vraiment n'importe quoi de ce qu'il entreprend. C'est cette énergie-là que ça prend ici pour survivre au mois d'avril. Donc, d'aller de l'avant, de pas se laisser... submergé par ses émotions, puis tout ce qui peut se passer ici par rapport à l'amitié. On se ground, on reste centré. On n'oublie pas que c'est ça, c'est pas la fin du monde. On n'a pas tout perdu. Il reste encore plein de belles choses. Peut-être que t'as perdu une amitié, peut-être que t'en as perdu deux, mais regarde, ça va te permettre d'en découvrir de nouvelles. Quand il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose d'autre qui va renaître. Puis peut-être même que ça va être au sein de cette même amitié-là. Peut-être que justement, quand vous allez prendre conscience puis dire « Hey, regarde-moi, quand tu fais ça, ça me plaît pas du tout. » Peut-être que cette personne-là, si vraiment elle veut vous garder comme amie, si vraiment cette personne-là est une bonne personne, elle va être d'accord afin d'évoluer puis de changer puis tout ça. Espérez pas un changement du jour au lendemain, il faudra être patient, mais vous, je vous vois vraiment aller de l'avant par rapport à une situation. Allô, oui, on va aller dehors, ça sera pas très très long. Je vous vois vraiment aller de l'avant par rapport à une situation, on move on, on passe à autre chose et on n'oublie pas de se grounder, c'est très important. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous mes amis les taureaux pour avril 2020. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un like, de vous abonner et de m'écrire en commentaire si ça vous a parlé et tout ça. Donc merci beaucoup et on se revoit très bientôt. Ciao!